Les jardins étaient notre seule source de nourriture. On vivait à l'intérieur jusqu'à ce que l'État islamique entre dans le camp et commence à décapiter les gens. Ils ont tué des enfants aussi. Ils nous appelaient pour qu'on se rende, mais on n'a pas fait. Ils ont tué tous ceux qu'ils ont trouvés. J'étais avec mon fils et mon mari dans la maison quand les comités populaires palestiniens de Yarmouk nous ont dit de fuir rapidement. On s'est demandé comment éviter les snipers qui tiraient sur notre convoi. Ils nous ont dit de longer les murs, mais un sniper a commencé à nous tirer dessus, jusqu'à ce que nos voisins nous aident à fuir. Certains de ces gens ont dû laisser leurs enfants derrière eux. Cette femme a laissé ses garçons à l'intérieur. Elle a dû fuir les djihadistes de l'État islamique. La situation est tragique dans le camp. Et nous avons vraiment besoin d'une action internationale à tous les niveaux pour expulser cette organisation terroriste du camp de Yarmouk.